Ben, je suis partie de Madagascar parce que je voulais faire des études qui n'existent pas là-bas. Mais ça, c'est peut-être un prétexte. C'est que je voulais vraiment partir pour découvrir le monde. Je me sens chez moi partout, en France et en Madagascar. Je dis toujours, j'ai les deux pays les plus beaux du monde. Et personne n'ose me contredire. J'ai découvert que plus on vieillit, plus on a envie de revenir chez soi. Alors, le premier lien que je garde avec mes origines, c'est ma société. Hermada, équitable et rare de Madagascar, qui me permet de redécouvrir mon pays dans la mesure où je vends beaucoup de gammes de produits qui me permettent de découvrir les différents artisans et producteurs à Madagascar. J'ai tellement envie que notre pays soit reconnu dans sa richesse, parce que souvent on le connaît dans sa pauvreté. Ce que j'aimerais vraiment apporter dans ce pays, à travers ce que je fais et à travers en fait un exemple, c'est d'apprendre aux Malgaches jeunes à être entrepreneurs. La migration pour moi est quelque chose d'intègre dans mon corps, dans mon esprit et dans ma vie. La migration aide beaucoup, ça permet de s'ouvrir. Nous, on a une île et une île, c'est fermé. On n'a aucun contact, aucune frontière avec les autres. Et le peuple malgache aime recevoir. Donc, cette ouverture nous permet de faire un pont entre le monde et Madagascar. Ensemble pour bâtir le futur, Yarakisik Bananwavi.